Bonjour, c'est Anaïs de la chaîne Coup tes rêves. Je vous retrouve cette fois-ci pour mon podcast numéro 3 où je vais vous parler de mon bilan couture d'avril. Alors, entrons tout de suite dans le vif du sujet. On va commencer par ce que je porte aujourd'hui. C'est la robe MS May de Mounassou, que j'avais prévu de coudre, je l'avais annoncé dans mon podcast numéro 2, mes projets pour le printemps. Donc j'ai cousu ce que j'avais prévu avec la jolie viscose de chez Diffuse Laine. J'en suis très contente. J'ai gardé la même taille que j'avais fait l'an dernier parce que j'avais réessayé ma robe et elle m'allait toujours très bien. Donc je me suis dit pas de soucis, je vais recoudre la même taille. J'ai découpé mon tissu sans appréhension et je me suis dit cette fois je vais mettre la fermeture éclair parce que la première fois j'avais mis la fermeture éclair, j'avais essayé la robe, j'avais trouvé que c'était inutile donc j'avais enlevé la fermeture éclair. Cette fois je me suis dit bon, même si elle me va toujours, elle est un peu, elle est très près du corps donc je me suis dit je vais suivre les instructions, je vais ajouter la fermeture éclair. Tout s'est très bien passé, j'ai récupéré la fermeture éclair que j'avais pas utilisée la dernière fois. Et au moment d'essayer la robe, c'était un petit peu serré. Donc j'ai regardé, en fait je crois qu'il y a un an, j'utilisais pas des marges de 1 cm. Je ne sais pas pourquoi, mais je laissais ma machine au point où elle est au départ. C'est-à-dire, je pense que c'est à peu près 0,6, 0,5 mm. Ouais, peut-être 0,6 ou 0,7 mm. Et du coup, la robe était moins serrée que cette fois-ci. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai recousu sur les côtés, j'ai défait mes coutures et j'ai recousu un peu plus proche du bord pour être plus à l'aise. Donc, après, je la trouve très jolie. C'est exactement ce que je voulais. J'ai refait la même longueur. Je trouvais que ça m'allait bien, cette hauteur-là. La fermeture invisible. Alors là, je crois que c'est... Bon, d'habitude, je m'en sors bien. Mais là, elle est vraiment très très invisible, surtout vers la fin, là où ça se voit un petit peu en général, pour ma part, c'est en bas de la fermeture invisible, là où il y a la fin de la couture classique et le début de la fermeture invisible. Il y a toujours un petit bourrelet, je sais pas vous, hein, mais moi ça me fait toujours un petit truc disgracieux. Et là, sur celle-là, nickel, c'est vraiment tout plat. Je vous mettrai la photo. J'ai pensé à prendre en photo tellement je suis contente. Pour l'histoire de la fermeture éclair, en fait, si je vous en ai parlé, parce que j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, c'est que elle est inutile. Pour moi, elle est inutile. Je l'ai rajoutée sur cette robe, alors que la dernière fois, je m'étais dit non, elle me sert à rien. Je l'enlève sans ouvrir la fermeture éclair. Et j'ai été bornée. J'ai voulu la mettre cette fois-ci. Et elle ne sert toujours à rien. Donc, j'ai mis une fermeture éclair, invisible, elle est jolie, mais je ne l'ouvre pas, je la ferme pas. Et en plus, où elle est placée, je trouve qu'elle est vraiment pas pratique à ouvrir ni à fermer. Parce que là, si je veux l'ouvrir, bon, je ne sais pas si je peux en tourner. Si je veux l'ouvrir, je ne peux pas l'attraper avec ma main vers le bas. Je ne peux pas non plus, hein, si je peux l'attraper là, mais c'est vraiment pas pratique. Là, je peux même pas la tirer. Donc voilà. À voir peut-être avec votre souplesse, mais pourtant je suis pas de problème de souplesse, mais je trouve pas très pratique. J'aurais préféré la fermeture sur le côté. Ça aurait été plus facile pour l'ouvrir et la fermer. Donc avec de la chance, j'arrive à la passer toujours par la tête. Mais essayez pour si jamais vous voulez la faire, essayez avant. C'était le petit aparté. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, cette robe, c'est une robe cintrée à la taille où il y a des pinces de taille devant et dos en colure en V devant et dans le dos. Il y a deux pans au niveau de la robe, donc ça fait un effet très joli. C'est une jupe patineuse et elle est très saillante même pour les grandes tailles. Donc je trouve que ça met bien en valeur, ça tombe bien au bon endroit au niveau de la taille. J'aime beaucoup cette robe.
entre-temps, juste après avoir cousu cette robe, j'ai reçu ma box mensuelle Mounassou. Et quelle ne fut pas ma surprise de découvrir que le patron du mois, c'était une robe qui ressemblait presque comme deux gouttes d'eau à cette robe MSM. Je vous mettrai des photos, j'ai fait des vidéos, je ne sais pas si je vais les mettre sur le côté ou si je vous montrerai un gros plan pour comparer les deux patrons, pour voir les similitudes et les différences. Alors au niveau des pinces poitrine et dos, enfin taille devant et dos, c'est exactement les mêmes pinces, c'est exactement la même aisance. C'est la même hauteur de taille. Les manches sont similaires, c'est-à-dire que c'est des manches qui sont cousues directement avec le buste. C'est la même chose. Elles n'ont pas exactement la même forme. Il y a une petite différence au niveau de la forme des emmanchures, mais sinon c'est quasiment la même robe. Au lieu d'avoir un décolleté au lieu d'avoir un décolleté en V dans le dos, elle a un décolleté classique rond. Et devant, c'est pas tout à fait en V, c'est un petit peu arrondi, puis en V. Hop. Arrondi, puis en V. Et c'est boutonné sur le devant. Pour la longueur, elle est plus longue que la MSM. Mais après, c'est la même ampleur de jupe. C'est la même forme de jupe patineuse. Donc, si vous avez l'un ou l'autre des deux patrons, n'achetez pas le deuxième. Vous pouvez très bien modifier le patron pour refaire la même chose quasiment. Donc j'étais un peu déçue que ce soit aussi similaire. Donc après vous verrez comment elle tombe parce que j'ai pris une taille au-dessus pour cette robe. Comment elle s'appelle? La robe Serena du coup, celle de ce mois-ci. La robe Serena du coup, Mounassou préconise de faire attention au niveau de la taille parce que comme c'est boutonné sur tout le devant de la robe, faudrait pas que ce soit trop serré comme celle-ci, elle est vraiment bien ajustée. Je me suis dit, si je refais la même taille, ça risque de tirer sur les boutons et du coup faire un décolleté qui tire et c'est pas joli, ça risque de s'ouvrir et j'aurais pas été à l'aise. Donc je me suis dit, bon, j'avais fait un 54 pour celle-ci, je vais faire un 56. J'ai fait une toile avec du coton, donc ça tombait très bien. Je me suis dit, bon, bah, c'est bon, je vais faire ça. J'ai cousu c'est un crépon de viscose qui est prévu dans la box. Elle dit de bien le repasser avant de coudre notre projet. Donc c'est ce que j'ai fait. Et du coup, quand j'ai essayé ma robe après l'avoir cousue, j'ai vraiment pas aimé. Alors déjà, le tissu vert comme ça, c'est pas trop mon truc. Mais je lui ai laissé sa chance parce que j'ai aussi cousu une box en octobre, je crois, avec un chemisier avec des festons, et c'était une couleur un peu verte comme ça, avec les mêmes teintes, du blanc, du rouge. Finalement, je l'ai beaucoup porté, j'ai adoré. Donc, je me suis dit, bon, je vais laisser une chance à ce crépon vert. Mais une fois essayé, juste après l'avoir cousu, comme le tissu était repassé, il est plutôt détendu. J'ai pas du tout aimé, j'ai trouvé que j'avais l'air d'être en chemise de nuit, qu'elle était pas assez cintrée, et je me suis dit, ben mince, finalement j'aurais dû faire une taille en dessous, j'aurais dû faire ma taille habituelle, ou alors, ben, je sais pas, c'est la forme qui. Puisque c'est quasiment la même forme, ben, j'étais déçue du rendu. Donc après, quand j'avais vu la version de Mounassou, pour être très honnête avec vous, j'ai trouvé que c'était un peu mémérisant, même sur elle, à qui tout va bien en général, elle porte bien ses modèles. Bah ça, j'ai pas trouvé que ça lui allait très bien. Donc, je sais pas si je suis un peu bête d'avoir cousu ça en ayant des a priori, en me disant bon, bah, je suis pas sûre que ça va m'aller. Bon, au moins, j'ai essayé. Je vous mets la vidéo maintenant. Je vous mets la photo de quand
juste après l'avoir cousu. En plus, alors là, c'est cadeau, j'avais mis du thermocollant hydrosoluble. Donc, j'ai plein de petits patchs blancs au niveau des boutons. C'est très beau. Je vous la mets ici. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous en parler du thermocollant hydrosoluble. C'est vraiment génial pour faire les boutonnières. Parce que si, comme moi, vous avez la hantise des boutonnières, que c'est. Avant, j'avais toujours peur quand je vais faire une boutonnière parce que quand je la fais sur mon test, elle est nickel. Quand je la fais sur ma robe, ça me fait un côté et ça s'arrête. Je sais pas si ça vous est arrivé aussi, mais moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. C'était vraiment très énervant. Très, très énervant. Et depuis que j'ai découvert ce thermocollant hydrosoluble, je m'en passe plus et ça m'a changé la vie au niveau des boutonnières. Je vous conseille d'essayer au moins une fois pour voir la différence si vous aussi vous avez des soucis avec les boutonnières. Et là, je les ai toutes faites. J'ai même eu peur au niveau de cette boutonnière-là parce que elle est à la jonction de la taille et il y a beaucoup d'épaisseur. Et je me suis dit, oh là là, ça va coincer, je sais pas comment, je sais pas comment je vais la faire. Et en fait, ça a été nickel. Nickel. Et pour la vidéo, en fait, ma robe, je l'ai relavée. Et en fait, elle s'est un petit peu resserrée. Le crépon a repris sa forme avec plein de petits plis. Et du coup, c'est un petit peu mieux. C'est pas encore ça. Je suis pas satisfaite à 100%, mais c'est un peu mieux. Et par contre, ce qui est génial de ce côté-là, c'est que je l'ai pas du tout repassé. Même la parementure, je l'ai juste étendue sur un cintre et je l'ai portée juste après. Donc ça, c'est un bon point. Et pour le thermocollant hydrosoluble, en fait, il suffit juste de le passer sous l'eau plutôt tiède et ça se désagrège. Donc ça laisse aucune trace. C'est vraiment très pratique. Donc pour ces deux robes, eh ben, je l'ai faite quand même. Et puis vous pourrez voir la différence entre les deux. Ben, j'ai quand même moi ma préférence pour celle-ci, la bleue. Pour la Serena, j'ai presque envie de la découper et de m'en faire une jupe. En fait, de mettre un élastique au niveau de la taille et de la garder comme jupe parce qu'elle est quand même un peu longue, donc je peux faire une jupe. Pourquoi pas faire un haut court avec le haut de la robe, mais ça, je suis un peu moins sûre de le mettre. Et il y a aussi le fait que le tissu est plutôt transparent. Alors, je l'ai essayé en plein jour. Là, il fait pas très beau, donc la vidéo que vous avez vue, c'est pas transparent. Mais je me demande si au soleil, en plein soleil, en été ou au printemps, quand il fait beau, si on ne voit pas à travers. Donc c'est à vérifier. Je le mettrai en. Je l'écrirai en dessous si jamais entre-temps il fait beau. Mais en ce moment, c'est pas trop ça. Donc j'ai pas pu voir si c'était transparent ou si ça allait. Donc à voir. Et voilà pour ces deux robes. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi que j'ai. Décidément, je sais pas ce qui s'est passé avec cette robe. Mais la robe Serena, comme je venais de faire la MSM juste avant où il fallait couper le devant au pli et le dos normal, et bien là je sais pas ce qui m'a pris, j'ai coupé le dos au lieu de le couper au pli, je l'ai coupé comme ça. Et donc bah, j'ai dû faire une couture, c'est pour ça que j'ai une couture au milieu du dos. Bon après c'est pas gênant et puis comme c'est du crépon et c'est quand même ça s'étire un petit peu. J'ai pas eu de mal à rattraper ma couture entre le haut et la jupe. J'ai pas vu la différence, j'ai pas vu qu'il manquait 1 cm au niveau de la couture. Donc si jamais ça vous arrive, vous inquiétez pas, ça aura pas d'impact sur la robe. Donc si jamais vous voulez me donner votre avis, si vous pensez que je la garde comme ça, ou que je réduis sur les côtés pour la cintrer un peu plus, ou que je la coupe et je fais une robe, je prends vos avis et je verrai ce que je fais. Parce que je ne suis pas certaine de la porter comme ça, je me sens pas mise en valeur en fait. Donc après ça c'est mon avis personnel. Peut-être que ça tombera pas pareil sur d'autres morphologies. Et si vous prenez aussi la bonne taille, puisque du coup j'ai pris une taille au-dessus en pensant faire bien. Et puis non, j'aurais pas dû. Donc voilà pour ces deux robes. On va passer à la suite. Si jamais vous avez vu une de mes vidéos précédentes, je vous présentais la robe Jana que j'avais prévu de coudre donc pour ce mois-ci dans une viscose des coupes en couturette.
J'ai fait toute une vidéo dessus, je vous la mettrai juste ici, si jamais vous ne l'avez pas vue. Donc je vais aller un peu vite, je ne vais pas répéter pour les personnes qui ont déjà vu la vidéo. Cette robe, elle est très simple à coudre quand il n'y a pas de modification à faire. Donc ça dépend vraiment des gens. Vraiment rapide. Elle prend beaucoup de tissu par contre. Si vous faites en version longue, il faut prévoir pas mal de métrage. Par contre, bah, vous pouvez très bien la faire mi-longue, courte ou en top. J'avais décidé de ne pas faire les manches qui allaient avec et j'ai fait des petits manches ronds. J'ai trouvé ça très mignon. J'ai fait beaucoup d'ajustements pour que le décolleté tombe bien sur moi. Mais maintenant que c'est fait, j'en suis très satisfaite. Que dire de plus? Il y a beaucoup de fronces sur cette robe, mais vous ne sentez pas effrayé par ça. Si vous avez une surjeteuse, ben, je vous avais expliqué comment faire pour aller plus vite. Et sinon, ben, il faut prendre votre mal en patience avec deux fils de fronces et on s'en sort avec un peu de minutie. Donc voilà pour cette robe, pour pas trop m'étaler, je vais m'arrêter là. Et si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir ma vidéo. Alors c'est tout ce que j'ai cousu ce mois-ci réellement. Ensuite là, je vais vous présenter des cousettes qui étaient des tests. Si vous le savez, je vous avais dit dans une vidéo précédente que je suis testeuse pour quelques marques, dont Iribol Couture et Comme une fleur. Donc là j'avais encore des patrons à tester pour elles. Et bah, je ne les ai pas testés ce mois-ci, je les ai testés avant. Mais je ne pouvais pas vous les montrer parce que les patrons n'étaient pas sortis. Donc je vais en profiter pour vous les montrer maintenant. J'ai cousu le pyjama Morphée de chez Iribol Couture. Et ben, je vous avais montré les photos sur Instagram. Je ne sais pas si vous les avez vues. Et je vous avais dit que pour le short, je vous donnerais mon astuce pour avoir ce résultat. Pour avoir les petites vagues au niveau du bas du short. Donc pour tout vous dire, c'était pas le résultat attendu au départ. Normalement, c'est censé être plat. C'est censé être une couture classique. Mais si vous voulez cet effet sur votre short ou sur une jupe ou un projet en jersey, et ben, vous faites comme moi. Vous tirez un peu trop sur le tissu et ça vous donne des petites vagues. Mais j'ai finalement beaucoup aimé l'effet, donc j'ai décidé de le garder. C'était la première fois que je posais un galon. Donc, je suis contente. Je trouve ça pas mal. Malgré les vagues, je m'y suis habituée. Il est très facile à coudre. Il se coud en pantalon, en short. Si vous voulez même faire un pantacourt, vous pouvez. Il y a la taille élastiquée. Donc ça, c'est vraiment génial. Bah, vous voyez, c'est très grand. Je pense que j'aurais pu faire une taille en dessous. Mais comme c'est élastiqué et qu'on le met à notre taille, et ben ça tombe parfaitement. Donc il tient très bien, il est ni trop serré, il tombe pas non plus. Très bien. Cousette rapide, facile, sans prise de tête. Donc le short. Et après, vous avez le t-shirt qui va avec. Donc moi là j'ai décidé de mettre une bande d'encolure, mais normalement c'est un repli comme un ourlet, comme pour les manches. Je pense que c'est un repli parce que comme c'est pour dormir, ça doit être plus confortable bah, de ne pas avoir de couture qui dépasse. Bon, moi ça ne me gêne pas, mais je vous le dis. Donc là, on peut faire soit en débardeur comme j'ai fait. Soit en manche courte, en manche trois quarts, en manche longue, on peut vraiment tout faire avec ce patron. C'est un pyjama complet. Vraiment, j'ai rien à redire dessus. J'ai fait aucune modification. J'ai pris ma taille habituelle. Il tombe très bien. Et je me le referai, je pense, pour cet hiver en version manche longue, pantalon. Et en plus, avec ce pyjama, elle a aussi sorti une robe de chambre. Donc, je vous mettrai des photos. Je ne l'ai pas testée. Mais c'est dans ma liste, en fait, je prévois de le faire pour plus tard quand il va refaire froid. Parce que bon, même si il fait pas très beau, il fait pas non plus très frais. Donc c'est pas ce que j'ai prévu de coudre pour le moment.
Mais sachez qu'il y a aussi une robe de chambre. Par contre, c'est plutôt pour un niveau de couture intermédiaire. C'est un peu plus compliqué parce qu'il y a des incrustations et elle préconise d'être un petit, d'avoir un niveau un petit peu plus avancé. Mais sinon, il a l'air très sympa. C'est un petit peu une forme kimono. Il y a plein de petits détails et je pense que ça peut être sympa. Ça, comme une fleur, j'ai cousu le top Barnabé. Donc, je l'ai mis sur Instagram. Peut-être que vous l'avez vu passer. Donc, c'est une encolure un petit peu large avec des découpes princesses et des fronces au niveau des découpes. Ça fait un super effet une fois porté. C'est un peu resserré au niveau de la taille. Vous savez, au lieu d'être droit ou de partir comme ça fait un petit peu comme ça, mais très légèrement. Parce que j'avais déjà testé un patron comme ça, c'était le top Thibaut de Anna Rose Pattern. J'avais testé et c'était vraiment trop creusé, ça m'allait pas du tout, surtout que j'ai pas la taille très marquée. Donc faire des creux où il n'en existe pas, c'est pas génial quand on n'a pas la taille marquée. Là, c'est vraiment très léger, juste pour donner un effet. Et franchement, vous verrez, ça rend bien. J'ai choisi les manches courtes parce que. Comme j'arrête pas de le dire, il fait plus très froid. Donc, si j'avais fait les manches longues, je l'aurais pas porté en ce moment. Mais il existe les manches longues ébouffantes. Donc, ça aussi, je pense que je le referai. Je suis vraiment satisfaite de ce top parce que je trouve que, ben, il met en valeur. Je trouve qu'il marque pas au niveau de mon ventre. Donc j'aime beaucoup. C'est aussi simple que ça. J'apprécie beaucoup l'effet qu'il donne. Je trouve même qu'il cache un petit peu mon ventre. Donc, je suis très contente. Mais c'est tout ce que j'avais à vous présenter pour ce mois-ci. Ah non, j'ai cousu aussi un sac de plage pour une amie. Elle m'a demandé de lui coudre un sac parce qu'elle n'arrivait pas à trouver celui dont elle avait envie. Elle en a testé plein, un peu comme tout le monde, hein. On en trouve plein dans le commerce. Plusieurs formes, plusieurs matières, etc. Elle me disait, bon, bah, c'est pourtant, je demande pas quelque chose d'extraordinaire, mais le peu que je demande, je le trouve pas. Donc, elle m'a demandé de lui faire. Et j'ai été bête parce que je lui ai rendu son sac. J'étais tellement pressée de lui donner que j'ai pas fait de photos, j'ai pas fait de vidéos. Donc, elle m'en a envoyé quelques-unes que je vous mettrai là. apparemment, elle en est contente, donc je suis contente aussi. Elle a super bien choisi ses tissus, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait très plage. C'est un patron maison, donc si jamais ça vous intéresse de savoir comment coûte votre sac à la taille que vous souhaitez, parce que là j'ai fait avec les mesures qu'elle avait envie, je peux vous expliquer comment adapter votre patron à la taille de sac que vous souhaitez. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Je vous donne un peu plus de détails au niveau du sac. On lui a prévu une poche zippée pour qu'elle puisse rentrer son téléphone et ses clés sans avoir à les chercher partout dans le sac. Je lui ai rajouté une grande poche sur le côté, donc cette fois pas zippée, une poche classique avec une couture au milieu, donc ça fait deux poches moyennes. Et une plus petite poche longue pour pouvoir mettre sa crème solaire. Donc comme ça, elle a un sac adapté à ses besoins, sur mesure et unique. Que demander de plus? J'espère que ce petit podcast vous aura intéressé. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et à laisser un petit pouce bleu, ça me fera toujours très plaisir. Et puis, je vous dis à bientôt!